aujourd'hui un jeune activiste congolais, Monsieur Guélor Poibou, que nous connaissons tous, en tout cas nous qui militons dans différentes associations de la diaspora congolaise. Il a fait partie, ou il fait partie des groupes des combattants congolais que beaucoup craignent. Hein. Moi, le premier, quand je vois toutes les actions qu'il mène, je dis merci, Guélor Poibou. Alors, pour ceux qui ne vous connaissent pas, est-ce que vous pouvez vous présenter rapidement? Écoutez, tout d'abord, merci à vous, Monsieur Noura, de m'avoir invité sur votre plateau. En effet, je suis Guélor Fortune Poibou, natif de Pointe-Noire, détenteur de deux diplômes supérieurs. J'ai un diplôme d'ingénieur en système et réseau électroénergétique dont la spécialité est la construction des barrages hydroélectriques. Et après mes 5 années d'études universitaires en Russie, j'ai pu obtenir une inscription via Campus France pour venir poursuivre mes études ici en France. Donc je viens de clore le cursus cette année en obtenant un master en diplomatie et relations internationales. Alors, vous êtes diplômé, mais qu'est-ce qui fait que vous ne rentrez pas au Congo pour travailler pour votre pays et pourquoi vous vous engagez aussi jeune que vous êtes dans cette lutte? Il faut dire que beaucoup ont perdu leur vie dans cette histoire-là. Pourquoi vous vous intéressez, en tout cas vous vous engagez autant pour votre pays? C'est parce que ce pays m'a donné quelque chose et j'en suis redevable. Je me dis pourquoi aller travailler dans un pays où 6 mois après, facilement, tu pourras te retrouver au chômage. Nous connaissons la situation d'aujourd'hui au pays. Il y a des suppressions d'emplois, de retards de salaire et autres. Je savais, comme tout bon visionnaire, je savais que je devais aller droit au mur parce que le pays est dans une situation catastrophique. Donc j'avais pensé venir ici à Paris pour 3 objectifs. Un, parfaire ma ligne politique, apprendre, étudier et savoir réellement ce qui se passait entre la diplomatie congolaise et la diplomatie française. C'est pourquoi j'avais fait ce choix d'arriver sur place, parce que je sais que tout se décide ici, à Paris. Je voulais toucher du doigt et ne pas se précipiter d'aller au pays, parce que je savais que ce qui se passe au pays est très fragile et très volatile. Ce qui se passe au pays est très fragile, très volatile. Nous recevons, comme vous avez vu sur l'écran, un jeune activiste, Monsieur Guélor Poibou. On sait aussi que vous êtes très engagé dans le mouvement des combattants. C'est un groupe ou une mouvance pour certains qui est assez violente, en tout cas pour certains. Vous recherchez souvent les personnalités congolaises ici en France. On sait aussi que vous avez joué un rôle très important. J'ai pas envie de dire dans l'attaque Beulier de l'ambassade, je sais que c'était votre groupe, vous avez soutenu vos camarades lorsqu'ils étaient en prison. En tout cas, c'est vous, avec d'autres, hein, qui aviez initié tous ces mouvements-là. Qu'est-ce qui fait qu'un jeune comme vous s'engage dans ce type de mouvement-là et où est-ce que vous en êtes aujourd'hui? Merci. Le problème, c'est quoi? C'est que le pays, notre pays, le Congo, est une prison à ciel ouvert. Donc, ce que nous faisons ici pour les pseudo-autorités de notre pays, c'est insignifiant en réalité. C'est insignifiant. Il mériterait plus que ça. Aujourd'hui, vous avez parlé brièvement de l'ambassade de notre pays. Quand j'essaie de lire d'autres réactions des Congolais, quand ils disent que ce sont des institutions, une institution de notre pays et autres, mais notre pays est entre les mains d'un usurpateur. Notre pays n'a pas de président. Ce Denis Sassou Nguesso n'est pas le président de la République du Congo. C'est quelqu'un qui a volé les élections, qui a mis en place un coup d'État constitutionnel. Donc, nous ne pouvons pas accepter ce genre de choses. C'est pourquoi, étant donné que nous sommes dans un pays où le droit prime, le droit dit son mot, c'est pourquoi nous faisons
part de nos situations sur place ici, dans les, de notre, nous exprimons notre indignation à travers les actes que nous menons ici sur la place de Paris. Alors, à travers les actes, est-ce que vous savez en tout cas que plusieurs personnalités congolaises aujourd'hui craignent de se promener dans Paris suite aux différentes actions que vous aviez menées, hein? On peut parler de M. Nguma, Donald aussi, hein, qui faisait partie de cette mouvance-là. En tout cas, ils sont nombreux dans vous. Plusieurs personnalités politiques congolaises aujourd'hui viennent en France, se cachent. Est-ce que vous ne considérez pas que vous êtes quand même allé trop loin et que c'est un peu de votre faute que ces rencontres-là ne se font plus? Non, ce n'est pas de notre faute. C'est une étape qu'on a franchie. Mais aujourd'hui, nous avons constaté que on doit mettre encore la barre plus haute. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que ça soit au niveau de la communication sur la toile, les plateformes, que ça soit sur Facebook, Twitter et autres, nous avons mis à nu ce régime. Mais aujourd'hui, le vrai problème du Congo, c'est de couper le cordon ombilical au niveau de la source. Donc, je veux dire des institutions. Parce que nous sommes dans un engrenage entre où nous avons un compatriote qui a pris toute une volonté de mettre le pays par terre pour ses intérêts personnels, s'éterniser au pouvoir, mourir au pouvoir et sacrifier le bien-être des Congolais. C'est ça le problème. Aujourd'hui, pourquoi ils doivent venir ici? Est-ce que les autorités de ce pays, les Français, ils voyagent à tout moment au Congo pour aller se faire traiter? Je ne pense pas. Pourquoi ils doivent venir ici en touriste n'importe comment? Le tourisme au Congo n'existe pas. Monsieur... S'ils pensent qu'ils doivent toujours venir ici, mais nous on pense qu'ils n'ont pas leur place ici. Ils n'ont qu'à mettre des vraies institutions au pays, des vraies conditions au pays, on ne les verra pas ici. Monsieur Gaylord Poibou sur Congo Liberty, on va parler de la situation dans le Pool. Vous savez qu'il y a des massacres aujourd'hui dans le Pool. On a quand même l'impression que les Congolais sont assez indifférents, qu'ils ne se mobilisent pas beaucoup pour nos compatriotes. Qu'est-ce que vous pouvez dire à ce sujet? À ce sujet, comme je me suis présenté, bon, politiquement, sinon dans la vie associative ici, je suis membre de deux structures. Je suis trésorier du collectif Sassoufi, dont vous connaissez les actions que nous avons menées avec André Agombé. Et je suis aussi secrétaire général de l'association de solidarité, leur compte de fonds, pour venir à bien, sinon trouver des solutions aux problèmes des Congolais, que ce soit au niveau d'ici en France et à l'extérieur du pays. C'est pourquoi, dans cette association, nous nous mobilisons. Je profite de l'occasion de lancer ce vivant appel. Je demande aux Congolais de se diriger vers le site Congo Liberty pour lire et savoir comment, à quelle mesure ils peuvent venir en aide de ces populations déplacées de poules qui sont au pays là-bas. Excepté cela, nous gérons plusieurs situations, comme j'ai dit. Entre-temps, il y a eu des situations qui a touché les étudiants congolais. Ils étaient en cavale et tout. Mais depuis la France ici, on a essayé de se mobiliser, d'envoyer des fonds pour permettre à ses frères de se protéger. Monsieur Gaylord Poibou sur Congo Liberty, on va parler rapidement d'un propos que vous avez tenu lors de la rencontre entre Monsieur Mirassa et la diaspora congolaise. Je vous ai entendu dire que le logiciel, depuis des années, des activistes politiques ou des hommes politiques congolais n'avait pas changé. Ce temps était assez court, vous n'aviez pas pu développer. Est-ce que vous pouvez le faire là sur Congo Liberty? Merci. Le problème, c'est quoi? Le problème, c'est que je me suis rendu compte, j'ai essayé de faire... mon expertise, hein. Je me suis rendu compte que M. Denis Sassou Nguesso a presque fait de la politique avec les mêmes hommes politiques que nous avons aujourd'hui, que ce soit ceux qui sont avec nous dans l'opposition. Et hier, nous sommes sans ignorer qu'il a perdu le pouvoir un jour, ce même M. Denis Sassou Nguesso. Et je suis convaincu qu'aujourd'hui, là, au moment de nos jours, M. Denis ne s'en ira pas comme il s'en est allé en 91. C'est-à-dire quand il a dit « Joachim, mais écoute, viens !» On nettoie les mains et tout ça, et après il revient plus fort, plus féroce que ça.
en tuant les Congolais par un coup d'État. Comment Monsieur Denis Sassou Nguesso doit-il partir? Monsieur Denis Sassou Nguesso, c'est un tyran. C'est comme je vous ai dit, j'ai eu la chance de venir dans ce pays étudier. Même ici, en sociologie politique, on nous dit, dans les cours de sociologie politique, on dit qu'on ne dialogue pas avec un tyran. Un tyran, on le met hors d'état de nuire. Un tyran, on crée des conditions pour le mettre hors de danger. C'est pourquoi, aujourd'hui, moi je pense que nos politiques pensent, croient au dialogue, mais moi je pense que ce dialogue doit être avant tout mis à côté, mis à part. Nous devons d'abord penser à installer un climat de rapport de force. Monsieur Denis Sassou Nguesso doit se sentir agonisé. Monsieur Denis Sassou Nguesso doit se sentir embêté. Monsieur Denis Sassou Nguesso, les ingrédients sont réunis. Mais vous vous rendez compte, dans un pays où subir le FMI aujourd'hui, c'est un déluge, subir le FMI. Mais la population n'est pas préparée à se lever pour mettre ce monsieur, que ce soit démocratiquement, hors d'état de nuire. C'est pourquoi je parlais de ce logiciel XP qui a changé aujourd'hui. Nous sommes dans plusieurs formes de logiciels dont nos politiques aujourd'hui doivent comprendre qu'aujourd'hui, M. Denis Sassou Nguesso, il a atteint une autre dimension. Les procédés de 89 qui les a permis d'obtenir cette victoire de 91 sont erronés aujourd'hui. Ils doivent réfléchir à autre chose. C'est pourquoi je profite de l'occasion de cet espace que vous m'avez donné, de lancer un grand appel aux intellectuels congolais. Moi, personnellement, je pense que le problème de notre pays est multidimensionnel. Mais je vais m'attarder sur un point. Notre problème est sociologique. Alors, quand vous dites sociologique, est-ce que c'est ce que certains appellent tribalisme, ethnocentrisme? C'est quoi exactement? Oui, parce que aujourd'hui, quand on se voit dans l'opposition, on se rencontre même dans l'opposition, il y a des gangrènes. Même dans l'opposition, il y a des petits soucis. Mais moi, franchement, j'appelle à l'apaisement. Alors, quand vous parlez d'opposition, vous allez m'excuser, monsieur Guénor Poibou, est-ce que... Qui considérez-vous comme opposant aujourd'hui au Congo? Parce qu'on ne se retrouve plus du tout, en tout cas moi le premier. On parle de l'IDC Frocade, on parle des anciens du PCT qui sont arrivés, qui se déclarent opposants. Clairement, est-ce que pour vous, Sassou Mabiala est un opposant, ou Parfait Kolela, ou M. Mirassa, je ne sais pas. Dans tout ça, qui vous étiquetez comme opposant? Franchement, pour être plus succincte, je vais vous dire, l'opposition, c'est toutes les forces vives qui disent non à Denis Sassou Nguesso. Plus un. Et le un là, c'est tous ceux qui sont de l'autre côté. Qui sont de l'autre côté. Je vais m'expliquer. Je ne comprends toujours pas. Pour faire clair, vous avez aujourd'hui à l'Assemblée nationale congolaise, ouais, des forces qui se réclament de l'opposition, celle de M. Tsatsi Mabiala, donc de l'UPADS, et celle du Yuki de Parfait Kolela. Est-ce que pour vous, ces forces-là représentent l'opposition congolaise? Vous savez, M. Parfait Kolela, le 27 septembre 2015, a dit au boulevard Alfred Raoul que en 2009, je pense, il s'était entendu avec M. Denis Sassou Nguesso, que cette fois-là, c'était son tour. Vous comprenez? Et c'était devant une masse, devant les Congolais. Mais de qui se moque-t-on? Il a dit que c'était son tour. Donc, que ça soit en 2002, 2009, ils étaient dans leur manigance. Il y a eu des tueries dans le pool. Ils se sont entretenus avec M. Denis Sassou Nguesso. Qu'en 2015, c'est lui qui devait être candidat. C'est lui qui devait être président. Que c'était son tour. Et aujourd'hui, il fait le lit de Sassou. On nous dit qu'ils attendent 2021. Ils sont dans cette perspective, Monsieur Parfait Kolela. Pour prendre seulement ce cas, Monsieur Parfait Kolela, quand il va à l'élection présidentielle, il ne va pas à l'élection présidentielle pour la gagner. Il fait du surpasse politique. On ne peut pas le compter dans notre opposition. Parfait Kolela, ce n'est pas un opposant. Pour citer le nom de Tsatsi Mabiala. Oui, Tsatsi Mabiala fait le même, joue le même jeu. Ils sont là
dans le coubertinage politique. Coubertin l'a dit. Hein, faire de la politique pour exister. Mais faire de la politique non pour gagner, mais pour exister. Pour le ventre. Pour le ventre. Pour le ventre. Monsieur Gaylord, quoi beau sur Congo Liberty, votre mot de la fin? Mon mot de la fin, c'est... J'aimerais bien que toutes les forces vives de la diaspora mettent de l'eau dans leur vin. Je profite de cet espace parce que c'est vraiment criard ce qui se passe sur la toile aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe? Bon, mais franchement, par exemple, il y a des posts, des publications sur des concepts que dégager pour conserver. Il y a des gens du Nord qui veulent faire partir d'une station Guesso pour conserver le pouvoir au Nord. C'est pourquoi je vous parlais de la sociologie, que notre problème était sociologique. Hein, d'autres personnes disent que, bah, écoutez, dans les quartiers sud de Brazzaville, la population est toujours présente. Quand on leur demande de sortir, ils sortent dans les quartiers nord de Brazzaville, ils ne bougent pas et tout. Mais je pense que pendant les législatives, nous avons constaté que dans les régions du Nord, on a remarqué qu'il y a eu des problèmes. La population a réagi. Mais on ne s'est pas posé la question pourquoi ils sont arrivés à réagir aujourd'hui. Mais parce qu'ils ont réagi au sein d'un système, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas dénoncé Sassou, mais ces députés-là voulaient faire partie de l'infime partie des Congolais qui profitent du pouvoir. Déjà, ma vision n'est pas sur les élections législatives, parce que M. Dinsa Sassou Nguesso n'est pas. Moi, je ne reconnais pas, en tout cas, les députés, ce Parlement. De ce pays, de notre pays. Je ne reconnais pas ce Parlement, je ne reconnais pas M. Denis Sassou Nguesso comme président de notre pays, mais je parle de ce peuple-là, de ce Congolais ignorant, de ce Congolais qui se rend compte que, écoutez, là, c'est pas bien. Ils arrivent à dire non parce qu'en face, ils ont peut-être deux candidats qui sont issus du système, mais qui se battent. Mais en ce moment-là, ils ont le courage de dénoncer des choses, ils ont le courage de se mettre devant les autorités de la France publique de ce pays. C'est pour dire quoi? Aujourd'hui, nous devons travailler afin que nous puissions réussir à concilier ce peuple-là afin de se lever. Sinon, vraiment pour nous les démocrates, parce que moi j'ai toujours dit, les démographes ne l'emporteront jamais devant les démocrates. La démographie n'est pas supérieure à la démocratie. La démocratie gagnera toujours face à la démographie. Pour revenir sur ce qui se passe sur la toile, moi ça me fait mal. Moi-même personnellement, j'ai envoyé un émissaire qui est allé récupérer un document, par exemple, sur le grand frère John Benedict Nzaba. Et ce document-là a été un document très capital, a permis qu'un frère qui était en prison de sortir. C'était un document qui devait être dans le dossier pour permettre à notre avocat, Maître Missamo, afin qu'il puisse mener à bien son travail, afin que ce frère-là, qui jetait le nom, puisse sortir de prison. Mais de l'autre côté, donc pour la même situation, vous avez tous vu M. Guy Mafimba, ensemble avec nous, sur les plateaux de Ziana TV et autres, à porter un discours politique, à demander aux gens de se mobiliser, afin que ses frères qui étaient en prison puissent sortir. Donc moi, au milieu de tout ça, sachant que ce soit Guy Mafimba, que ce soit John Benis Nzaba, ils œuvrent pour le bien-être de ce combat, en train de s'entretuer comme ça, franchement, c'est très désolant. Ça ne sert à rien de minimiser les efforts des autres, parce que nous ne sommes pas dans les mêmes structures. Il y a plusieurs composantes. C'est pourquoi tout à l'heure je disais que pour faire partie d'une station Guesso, on n'a qu'une seule formule. La formule égale à toutes les forces vives de la résistance plus un. Donc, on ne peut pas prétendre faire partie d'une station Guesso si on n'arrive pas à copter d'autres brebis qui sont de l'autre côté. Le plus un, c'est tous ceux qui travaillent avec Denis Sassou Nguesso jusqu'à aujourd'hui. Monsieur Mingwa Biango, on doit se poser des vraies questions. Nous ne sommes pas des charlatans pour savoir ce qui se passe en Pila, dans la maison de Sassou. On a des gens qui nous informent. C'est ça le problème.
C'était l'interview, le grand entretien de Monsieur Guélard Poivre, que nous allons de nouveau inviter sur Congo Liberty dans les semaines qui suivent. On vous remercie d'avoir répondu à notre invitation. À bientôt. C'est moi.